Dans la ville de Mumbai, tout est une simple routine. Les rares événements sont à peine apparus. C'est le cas de Bangbanga. La légende raconte qu'il était une fois un homme fatigué et assoiffé appelé Ram, dont sa carafe d'eau est tombée sur la terre, donnant suite à la création des ruisseaux émanant de la surface. Le fleuve Ganga a des millions de kilomètres de distance et sortit du centre de la terre à la surface pour calmer sa soif. Aujourd'hui, ces lacs naturels continuent à être vénérés par ceux qui prennent leur bain dans ces eaux. Ashiwara a su comprendre pourquoi le fleuve Ganga est venu aider M. Ram. Elle a su la même expérience plusieurs fois et elle n'est pas la seule dans cette situation. Je voudrais voir des femmes. Amnapuna Maila Mala. Largement connue par les vendeuses chantantes de Mumbai. Il n'y en a que quelques-unes qui continuent toujours à chanter, ce qui ne les empêche pas à vendre, préparer ses épices et diriger ses multiples fonds du commerce. Dans cette cuisine, elle prépare 5000 assiettes environ par jour. Elle envoie ensuite au plateau des cantines et au baba, destiné aux gens de Mumbai. Il ne s'agit pas d'une tâche exceptionnelle, lorsqu'on ne tient pas compte du fait qu'elle est faite désormais par des femmes illettrées. Tout a commencé il y a 30 ans avec Prena Pouval, accompagnée de 14 femmes pauvres et un petit prêt de la banque. Cette organisation compte de nos jours plus de 200 000 femmes. Ashiwara est arrivée là sans avoir reçu aucune éducation avec trois petites sœurs à nourrir. Elle joue maintenant le rôle de la mère des trois étudiantes embauchées. De Ashiwara vous dira toujours que le plus grand changement de sa vie n'est pas toucher revenu, mais sa confiance et son esprit. Et elle vous garantira que beaucoup d'autres femmes pensent comme elle. Depuis les femmes qui font en manger jusqu'aux hommes qui préparent les caisses du midi, les babawalas ou hommes qui préparent le plateau du midi ont formé une institution de Mumbai il y a centaines d'années. Ce qu'elles font est simple, elles prennent le plateau, distribuent la nourriture, qu'ils continuent ensuite et les reviennent pour le remplir. Malgré ça, ils sont connus comme les réseaux les mieux organisés du monde. Quelle est la taille de ces réseaux? Autour de 4500 babawalas distribuent 200 000 plateaux de nourriture tous les jours et obtiennent un bénéfice de 10 millions de dollars par an. Et ce n'est pas la partie la plus impressionnante. La plupart des babawalas sont illettrés à cause d'un système rigide. Cependant, une seule livraison parmi des millions de livraisons par jour se réalise à une personne erronée. Ces hommes portant un bonnet blanc conformément à leur marque, ils sont facilement appréciés dans les rues de Mumbai. Toujours en courant pour réaliser leur livraison dans le délai prévu, demandez-leur ce qu'ils font pendant leur temps libre. Ils vous diront qu'ils donnent les cours aux étudiants universitaires à la faculté de gestion d'entreprise, étudiants MBI, et ils font interviewer par presse internationale. Ce qui est plus important, demandez-leur comment leur vie a changé. Ils vous diront: des milliers de villes ont développé grâce à leur succès lors de plusieurs générations. Et quelle est l'air d'une aide d'affaires? Devinez-les, femmes au plateau de midi. Lorsque la nuit s'approche, il est temps d'aller chercher les réserves. Et milliers de personnes prennent leur repas de midi tous les jours et à leur temps. Et ce qui est plus important, dirait tout ceci, se trouvent bien d'autres personnes qui font un pas avant dans leur vie, souhaitant un futur prometteur.
Les forts de Amber aux alentours de la ville de Djapour, dans l'état désert de Rastan, s'y prenant jour après jour ses visiteurs avec ses murailles indestructibles. Cette forteresse militaire a partagé le royaume de Rajput bien avant que la nouvelle ville soit créée autour de lui. De nos jours, Atur est un centre touristique, mais il est facile de migrer le bruit et le saut. Joie exprimée par des soldats, des anciens armés après avoir gagné une bataille à l'entrée des portes. De l'autre côté de la ville, on s'entend par le trafic et les tempêtes, le sable menaçant. Même le bruit des tempêtes ne font peur à notre ami Dipali Devi. Au prime abord, sur son vélo à pédale, Dipali a l'air d'être une simple fille handicapée comme les autres existantes dans la ville. Cependant, lorsqu'elle s'arrête et transforme son véhicule en cabine téléphonique sans fil, il est le centre d'attraction de tous les gens qui s'adressent à elle pour réaliser un ou deux appels. Dipali, propriétaire et utilisateur de la cabine, se rend compte de l'originalité et importance de son métier aux yeux des autres. Il y a 3 ans, Dipali était une pauvre vendeuse de fleurs qui ne pouvait pas changer le travail parce qu'il lui manquait une jambe. Un jour, il a entendu dire qu'une entreprise de télécommunications appelée Chambre Télélix offrait des cabines publiques aux handicapés par la somme de 5 000 roupies. Lorsqu'il a pris connaissance de cette nouvelle, il a envoyé sa candidature tout de suite. Demandez-lui maintenant comment sa vie a-t-elle changé. Il vous dira que tout le plaisir qu'elle peut maintenant s'offrir sont suffisants pour elle. Ce qui est important, qu'elle a vu son rêve réalisé. Elle a réussi à adopter une fille, qu'elle a su nourrir et faire grandir. Tout est un grand défi pour elle. Des milliers de kilomètres de distance, dans un chariot attaché au dos d'un chameau, Maël s'occupe de faire des projets pour son avenir. Il a commencé à mettre l'argent de côté pour le mariage de sa sœur. Il veut qu'elle ait le meilleur mariage possible. Pendant toute sa vie, Maël, qui avait perdu l'usage d'une de ses jambes, étant petit, a toujours été considéré comme un poids lourd à supporter pour sa famille. L'argent manquait. Lorsque plusieurs années, jusqu'à ce qu'il a eu sa cabine téléphonique sans fil. Aujourd'hui, il a investi ses rêves dans plusieurs petites affaires. Il a même embauché des de ses frères plus âgés que lui. Maesh a commencé à être respecté par le reste des membres de sa commune. Mais malgré tous ces défis atteints, Maesh souhaite maintenant retourner à la société. Et ici, au milieu du désert, où les citoyens ont rarement accès à la ligne téléphonique, Maesh leur fournit des services avec sa cabine téléphonique, sans fil, ayant comme seul moyen de transport un chameau. Demandez-lui comment il se sent lorsqu'il écoute le cri de joie des clients qui, malgré habite au milieu d'une terre perdue, réussissent à parler par téléphone sur un mariage. Maesh sourit. Il sait qu'il est leur seul lien avec le monde extérieur. Ce jeune homme a une seule jambe, n'est pas la seule à mettre à la portée des clients la technologie. Mais ceci est l'entrée au futur.
Kalimpong, une petite station de montagne à l'ouest de Bengal, a le meilleur vue de la magnifique chaîne de montagne Kathiajanga. Depuis ces trois sommets, qui désormais font partie de l'histoire et la légende du pays. Depuis des milliers d'années, on peut attendre le bruit des violons qui jouent au loin. Il y a plusieurs années, un enfant de 11 ans appelé Tek Bahadur, qui ne réussissait pas à se concentrer. Ce père qui travaillait en tant qu'ouvrier depuis quelques mois ne pouvait pas nourrir toute sa famille. Depuis, la situation de la famille a à peine changé. Mais Tegui n'a plus connu la faim et ses problèmes de concentration ont disparu dès qu'il a commencé l'école de Gandhi Ashram. Tegui est l'un des millions d'enfants qui pensent la même chose, mais non seulement parce que l'école de Gandhi Ashram donne à ses étudiants 3 repas par jour et une bonne éducation. Mais aussi parce qu'il a en plus le requête des enfants de l'école Gandhi Ashram, Tegui est l'un des protagonistes lorsqu'il a commencé les cours de musique classique occidentale à l'école. Tegui et le reste des enfants pensaient que cette école ne leur faisait perdre du temps. Il aurait préféré faire quelque chose de pratique et utile, comme les cours de menuiserie ou mécanique. Ils n'ont plus eu cette impression depuis. Les examens finaux de Sony s'approchaient et elle cherchait à avoir toute l'aide possible. Après tout, elle avait besoin d'avoir de bons résultats pour entrer dans l'option économique et rentrer dans une bonne école. Il y a quelques années, Sony était une étudiante à l'école de Gandhi Ashram et faisait partie de leur orchestre. Un jour, le directeur de la maison Kram, une excellente école publique, est venu à l'école écouter la présentation de l'orchestre. Après avoir entendu plusieurs symphonies et compositions comme Mozart, Beethoven ou Strauss, il a offert 11 bourses d'études aux enfants. Sony, Sony sait que sa famille est fière d'elle. Ils disent qu'il a l'air nouveau et qu'elle parle comme une demoiselle. Quant à Sony, lorsqu'elle passe par l'école de Gandhi Ashram, tous les jours, elle s'arrête un instant pour remercier en silence. Tegui a également des projets. Il voulait devenir pilote de vol. L'année passée et cette année, il voulait être un acteur. Il deviendra peut-être les deux choses. Après tout, il s'agit de découvrir le pouvoir des rêves. L'ancien orchestre de l'école de Gandhi Ashram compte maintenant sur 75 élèves. Chaque année, plus d'enfants sont sélectionnés et reçoivent des bourses comme celle de la maison Agram pour poursuivre des études universitaires. Chaque année, plus d'enfants reçoivent l'opportunité d'avoir une vie meilleure et chaque succès devient un pas en avant vers un futur meilleur. Thank you.
Massouri, une petite station de montagne au pied de l'Himalaya, est un refuge populaire des touristes qui s'adressent à elle pour échapper le bruit de la vie ordinaire. Il y a beaucoup de générations, ce beau village était connu sous le nom de la Reine des Collines. À cette époque, un groupe de personnes s'est aperçu du danger que ces collines risquaient. Il y a 20 ans, 26 entreprises du domaine des mines ont commencé à s'installer aux collines de Missouri. Ces mines ont exploité la terre des deux côtés des collines pour extraire des pierres calcaires, sans suivre aucun règlement, ne tenir compte du dommage écologique qu'elles pouvaient provoquer. Elles ont transformé chaque colline luxueuse et verte dans une pierre nue et blanche. Et ensuite, elles ont quitté le lieu. Peu de temps après, les collines vertes de Missouri ont disparu. Les températures ont chuté et il a arrêté de pleuvoir ou neiger radicalement. C'est là que le gouvernement a décidé de prendre une décision. C'est la guerre. Et qui est ce qu'on appelle en cas de guerre? L'armée, bien sûr. Tous les corps de l'armée écologique numéro 127, CRNU, le fusil de Caraval, de l'armée des terres indiennes, largement connu sous sa force écologique contre les activités économiques. C'est le premier corps militaire de ce type qui s'est créé au monde. Ces bataillons étaient en guerre et luttaient pour l'environnement. En 1982, la force écologique s'est fixé un objectif, couvrir le vert colline de Missouri, moyennant une forestation et un programme pour conserver les terres. Le bataillon s'est formé, d'anciens combattants qui ont intégré l'armée après leur retraite. Après s'être aperçu du dommage provoqué par les entreprises du secteur de mines, qui avaient été auparavant pénalisées par la Cour suprême de justice, le bataillon a décidé d'agir d'une façon pacifique et disciplinée. Ils ont planté des arbres, ils ont enseigné la population à conserver l'écologie, et ils ont leur distribué des plantes médicinales et du fond. Jusqu'aux derniers 20 ans, ils continuent sur place, même si les collines du Missouri n'étaient plus les mêmes. Maintenant, ils ont reçu. L'espace vert de la Reine des Collines sont de retour. Le bataillon a réussi à planter jusqu'à présent plus de 3 millions d'arbres dans la zone. Ils ont élevé et protégé jusqu'au point d'en servir comme nourriture. Toute la zone a repris l'ancienne gloire et non seulement les températures ont repris leur cours normal, mais ils ont aussi neigé et les dernières années, après avoir reçu 2 ans de sécheresse. Les groupes de la force écologique, cependant, ne s'occupent plus de ceci, finit leur mission, ils se sont marqués de nouveaux objectifs. Son succès largement connu, non seulement leur donné de nombreux prix, mais ils ont inspiré la création de 4 autres nouveaux bataillons partout dans l'Inde. Pour ces hommes, la vie poursuit son cours normal. Leur succès ne peut être mesuré par des trophées ou médailles. Quand ils voient les habitants de cet endroit aux larmes, aux yeux, et regardant chère station de montagne, couverte de neige, après si longtemps, et lorsqu'ils voient des enfants courir derrière eux pour les aider, c'est à ces moments-là qu'ils sentent vraiment le service qu'ils ont rendu à la nation. Non seulement ils ont changé la terre, mais aussi les attitudes. En faisant ceci, ils ont assuré un futur sain et productif pour les prochaines générations.
New Delhi, la capitale de l'Inde, est beaucoup plus qu'un centre de pouvoir. C'est une métropole grande, remplie d'histoire et est en train de changer sa vie, son énergie et sa culture. Cependant, New Delhi est aussi une ville avec une mission importante. Pour les étudiants de la capitale, spécialement pour les étudiants de l'école publique de Delhi, leur vie est une simple routine. Leur chauffeur du car appelé Jagdeep Singh travaille depuis beaucoup d'années pour l'école et connaît parfaitement la ville par cœur. Jagdeep Singh est l'un des résidents de la ville qui a été témoin du changement de Delhi. Il y a très peu d'années, Delhi était l'une des villes les plus polluées du monde. Outre la fumée et le bruit du trafic de rue, un nuage blanchâtre couvra son ciel et beaucoup de grands monuments de la ville. La vie des habitants de Delhi est devenue impossible pour se protéger face à la santé et l'équilibre mental, jusqu'au jour où la Cour suprême a décidé d'agir face à ces problèmes. Il a mis deux ou trois points dans son agenda comme éléments principaux. Il a décidé que tous les véhicules publics et commerciaux de la ville auraient du gaz naturel. Chaque véhicule serait désormais obligé à passer un examen assez régulièrement. Et tous ceux qui ne suivraient pas les normes UR02 standard seraient interdits de circuler. La Cour suprême a demandé également au gouvernement d'entamer une campagne de sécurité routière et prévention contre la pollution. Jagdeep Singh se souvient des plaintes émises par lui et ses amis à cette époque-là. Il devait attendre des files infinissables pour obtenir du gaz naturel, prendre le bus pour éviter le test de pollution, suivre les codes de la route, quelque chose qui manquait d'importance auparavant. Maintenant, tout ceci est un fait accepté. Jagdeep Singh attend même à recevoir des cours pour améliorer sa condition et sa sécurité routière avec ses amis. M.K. Sike Madhavan, un des postes difficiles dans son travail, il enseigne conduire les conducteurs temporaires. Hubert Edner, l'organisme pour lequel il travaille, s'occupe de prévenir contre la pollution à tous les résidents de Delhi. Sécurité routière et environnementale. Doucement mais de façon assurée, M. Sethu Madhavan a vu dans ses cours augmenter le nombre de personnes qui prennent conscience du besoin et lutter ensemble pour une ville meilleure. M. Sethu Madhavan se souvient du moment où le gouvernement a appliqué toutes les mesures de la Cour suprême de justice. Il est content d'avoir réussi en si peu de temps, malgré les protestations de grands changements au niveau des infrastructures. Il est encore plus heureux de voir le résultat de ses efforts. Le niveau de pollution dans l'air et du bruit ont radicalement chuté. L'atmosphère était plus propre et même le flair fade qui caractérise la ville commencèrent à grandir tout de suite. Les habitants de Delhi peuvent maintenant jouir d'un environnement sans pollution, des routes assurées et d'une vie plus saluable. Mais si vous demandez à M. Sethu Madhavan ce qu'il aime plus à Delhi, il vous dira, lorsqu'il marche de nuit par des parcs de plus connus de Delhi, il se sent privilégié et en tout en dressant son regard vers le paradis et pouvoir voir le ciel. C'est un sentiment partagé par bien d'autres habitants de cette ville. C'est aussi un signe futur prometteur, plus sain et sûr pour tous ses habitants.
lancement est un événement unique qui laisse sa trace et qui attire l'attention des gens. C'est le travail de tous les jours, de 3000 personnes environ pendant 3 ans, car tout effort donne ensuite un résultat impressionnant. En effet, je ne pense pas qu'on puisse jamais être tranquille ou heureux. 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. Tout est comme un conte en arrière. Ceci a eu un succès du 100%. Après ce sentiment formidable, tout le monde se serre la main, sans faire aucune distinction. J'ai été témoin des 39 lancements réalisés par l'ICIRO. Même si le dernier était si intéressant et important que les autres. Le 8 mai 2003, l'Organisation pour la recherche spatiale de l'Inde, ISRO, a lancé le JLF, obtenu un grand succès. Il s'agissait d'un dispositif lancé comme satellite géosynchronique et puis lancé dans l'orbite spéciale. Avec cet événement, l'ISRO a obtenu une grande reconnaissance. Il n'y a que très peu de pays qui peuvent de nos jours lancer et construire des satellites. Bien sûr, les États-Unis tiennent la tête de la course, suivi de la Russie, des pays européens, le Japon et la Chine. L'Inde est l'un des pays à pouvoir construire des fusées, lancer des navettes spatiales et avoir ses programmes. L'Inde non seulement est devenue autosuffisante pour pouvoir lancer des satellites à l'espace, mais aussi un grand distributeur de véhicules spatials de tout type pour beaucoup d'autres pays. Avec cet unique objectif, l'ISRO a lancé une campagne appelée Antris Corporation. Antris est une seule mission, vendre le service spatial de l'Inde au reste du monde. La stratégie de marché d'Antris Corporation vise le développement de coopérations avec les leaders mondiaux et la zone industrielle. La meilleure façon d'y arriver est d'éviter des répétitions tout en réussissant une coopération des pentagonistes internationaux. C'est une stratégie la plus importante. La meilleure stratégie porte sur le fait de développer une vaste coopération internationale avec plusieurs pays et encourager les opportunités commerciales avec ceux-ci. L'Antris Corporation a eu des succès magnifiques. L'Inde peut offrir de la concurrence, performance dans des milieux de secteurs et avec des tarifs peu élevés. En effet, le dispositif de lancement de l'Inde ont déjà utilisé les satellites de l'Allemagne, la Belgique et Corée sur l'orbite, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner. Tous sont partis sans le moindre problème. L'Inde est de nos jours devenue le principal protagoniste du marché spatial, mais tous ses succès viennent de la même racine, le président actuel de l'Inde, Sri Abdul Kalam. Il fut l'un des premières équipes membres de l'ISRO avec le docteur Sarabhai. En 1963, il est resté ici pendant 18 ans au minimum. En effet, il s'est occupé de diriger tous les lancements. Le premier SL-V3 fit son bébé et nous avons eu l'opportunité de parler avec lui. Ce sont les ciments sur lesquels le programme de lancement fut construit. En conservant la tradition, l'ISRO est en train de développer à ce moment le troisième marché de gaz naturel, la nouvelle génération de véhicules lanceurs. Ainsi, en ce qui concerne l'avenir, l'espace continuera à être la dernière frontière à dépasser et continuera à impressionner, à provoquer autant de mystères et que l'Inde et le reste d'autres pays essaient d'inventer de nouvelles méthodes pour explorer les dits univers.
Rab de ko jana Rab de ko. Beaucoup de gens savent que l'un des martyrs indiens le plus connu qui luttait pour la liberté de ces pays était né dans le village de Kalgat Kalam, dans la zone rurale de Pandiane. Sardar Bhagat Singh, un grand révolutionnaire, fut pendu en 1931, un personnage populaire partout en Inde. Les citoyens de Pandiabi penseront toujours à la figure de Bhagat Singh comme quelqu'un qui sacrifiera sa vie pour le bien des autres. Et notamment, il fut un citoyen de Pandiabi qui a pris si au sérieux l'esprit du sacrifice. Bhagat Singh Badan avait un rêve, travailler pour le bien commun des autres, de toute l'humanité. Il a quitté sa confortable vie au Canada, Bhagat Singh Badan, et resté dans son village natal à Pandiabi, où la santé était loin d'être bonne. Et il a ensuite ouvert un hôpital de 40 lits pour les habitants du village. C'était l'année 1984 et c'était juste le début. Balbir Singh se souvient que Bhagat Singh Badan, appelé par tout le monde de façon affectueuse, Babadi, est venu au village pour parler aux gens de son entreprise de santé. Il a aidé Babadi à convaincre les habitants de céder des terres à l'hôpital et des fermiers et qu'il donne du blé pour le repas des patients. Petit à petit, grâce aux efforts des Indiens, non-résidents et les habitants autochtones, Balbir Singh a vu grandir son petit hôpital. Aujourd'hui, la vision de Babadi appelait de nos jours la confiance en une mission pour l'éducation. Le sein médical de Kurunaka compte sur une zone pour la haute société, 250 lits d'hôpital et une institution d'infirmerie, une école primaire et secondaire, un centre de réhabilitation, des cliniques mobiles et locales, et pour les docteurs, le personnel, les volontaires de tout le monde. Les gens qui viennent à ce centre pour être traités paient des charges nominales et le 20% des patients ont un traitement gratuit. Le docteur Delaine est un homme religieux. Il croit que le fait d'être religieux implique être au service des autres. Et c'est pour ça que l'un des très bons chirurgiens orthopédiques de Zuye, comme lui, est venu aussi au village des campagnes de Pandiabi pour y travailler pendant 6 mois, par année dans cet hôpital et surveiller son expansion. Le docteur Delaine et Babadi ont un objectif commun, construire une université de médecine pour que le jeune Pandiabi puisse avoir accès à une éducation universitaire gratuite et travailler en tant que médecin professionnel pour ainsi réussir à un monde meilleur. Baldut Kar sait que, comme Babadi, il n'a jamais eu l'opportunité d'aller à une école d'infirmerie ni à travailler dans un hôpital. La fille d'un infirmier du village, Baldut se souvient de la joie de son père lorsqu'il voyait sa fille en uniforme d'infirmière pour la première fois. Maintenant, elle veut aller plus loin et travailler dans un autre pays pendant un temps. Vingt années de travail dur, de coopération et de détermination furent nécessaires pour que Baldit puisse avoir une telle opportunité. Elle n'est qu'une fille parmi autant d'autres qui bénéficient aujourd'hui. Un mouvement entrepris par Babadi et peut-être elle sera un jour à la tête du même mouvement. Na 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 na
Satara, un petit village à l'est de l'Inde, du Maratha, fit pendant une époque ancienne capitale du royaume de Maratha. Pendant longtemps, des milliers de personnes sont restées dans cette plaine pour lutter et faire face à tout ennemi. Aujourd'hui, à leur place, une haute armée s'est élevée. C'est juste que les éléments actuels ne se déplacent pas, mais dansent avec le vent. En effet, Satara est la terre d'accueil des plus grandes stations éoliennes de toute l'Asie. Rajesh Omkar est le chef directeur et chargé de l'Agence pour le développement de l'énergie Maratha, l'organisation qui a entamé le premier pas vers la construction des stations éoliennes. Outre la planification du fonctionnement des moulins à vent du Meta, Omkar lutte aussi pour l'intérêt des 129 entreprises privées qui investissent dans ce secteur. Après tout, tous travaillent vers un seul et unique objectif, développer l'énergie éolienne comme source d'énergie principale, renouvelable et avantageuse pour l'environnement. Avec cette initiative en commun, l'énergie éolienne est devenue un des points principaux de l'Inde pour la première fois et a permis que Satara soit reconnu par les gens dans le secteur de l'environnement. Beaucoup de gens ont construit cette plaine formée de milliers de moulins à vent qui travaillent pour distribuer un petit pourcentage d'énergie aux réserves de Maratha. Prakash, c'est ce qui veut dire lutter pour que le vent transforme une plaine cellule à peine sans vent à ce qui est aujourd'hui. Après tout, il fut l'un des pionniers employés de la commune. Quand Meda est venu pour la première fois, il n'y avait pas de route ou de lignes téléphoniques. Le mouvement du vent, les fortes pluies et la densité humidité ont fait que ce travail est un véritable métier. Cependant, ils n'ont jamais perdu l'espoir. Ils ont construit des routes autour des terres stériles. Ils ont levé un par un, chacun des moulins à vent. Prakash est très fier d'avoir réussi à mettre en place cette initiative. S'il n'avait pas fait ceci, cette zone serait devenue un lieu difficile à habiter. Les stations éoliennes ont été un coup hasard inattendu par les résidents de cette zone de campagne, parmi lesquels une bonne centaine fut embauchée pour maintenir les moulins à vent. Grâce à ce projet, Prakash a vu son village améliorer et ce qui les entoure. Si vous demandez à Rasha Umbarkar sur sa vie ici, il vous dira: il faut partir d'une seule commune, isolée du reste du monde, unie à celle-ci uniquement grâce à l'affaire du vent. Il vous dira que les moulins à vent sont beaucoup plus que simples machines. Pour lui et pour ses collègues, ils sont tous devenus des amis. Et malgré le fait de sauver l'environnement dans ses limites, il nous dira qu'il se sent fier de pouvoir participer dans cette mission si noble. Si vous demandez à Prakash sur le changement que sa vie a subi ici depuis la construction des moulins à vent, il nous dira d'autre le fait que sa maison et le reste du peuple ont désormais de l'électricité. Ils ont tous offert à sa famille une meilleure vie. Une vie avec bonne éducation, services sanitaires gratuits et des comptes d'épargne gratuits reçus en tant que bourse. Mais Prakash et 100 d'autres personnes comme lui se sentent très remerciés. Et quand il regarde vers le futur, il s'amuse de remercier le bon Dieu plusieurs fois par jour pour qu'il soit promoteur. Oh,
Pensez à la capitale de l'Inde, New Delhi. Pensez à sa traduction. Chef d'État, grandeur et histoire. Pensez encore une fois. C'est New Delhi dans le sens complet du terme. Elle se bat constamment pour vivre et améliorer sa culture. Observez des personnes comme Fun Odin. Chaque soir, lorsque le reste des entrepreneurs rentrent chez eux, Fun et d'autres millions de personnes comme lui sont transportés vers les énormes constructions pour commencer un nouveau jour de travail. Après tout, c'est à ce moment que toute la force économique de l'autre partie du monde commence sa journée. Et Delhi, l'une des nouvelles filles du bloc BPO, doit accomplir les exigences d'affaires qui ont été délocalisées. Fine travaille pour Excel, qui fournit des services d'appel au centre délocalisé aux 500 clients les plus riches du monde. Demandez-lui quelle est la meilleure partie de son travail. Il vous dira que, outre le millier d'amis dont il occupe dans ses bureaux, la salle de sport et celle de billard, il se sent partie de la communauté internationale. Le monde et les frontières ne savent pas qui est Fin. Il se trouve juste dans un endroit de travail, connecté à des gens qu'il n'a jamais connus, à des endroits qu'il n'a jamais visités. L'industrie de la localisation des activités en Inde était au début un test. Une population bien élevée, ayant le bas tarif et offrant de nouveaux établissements donnant à l'Inde la possibilité de réaliser de nombreuses transactions avec des entreprises multinationales. Personne n'avait imaginé l'énorme succès que tout ceci allait avoir aujourd'hui. 80% de la fortune de 500 entreprises utilisent la localisation en Inde comme stratégie de marché pour développer son siège central. Dinska, cependant, pense que le BPO est un terme inexact et elle n'est pas la seule dans cette situation, tout comme le directeur des ressources humaines de l'entreprise Alliant Technologie. Elle a avoué heureusement que l'industrie des BPO a créé 10 millions de postes de travail de jeunes et a aidé à améliorer l'économie de l'Inde vers le progrès. C'est pour cela qu'elle nous dit également qu'il est important d'avouer que ce qu'ils font est beaucoup plus simple, transaction de localiser. Ok, so let's talk about India and the fact that size does matter. Yatika essaie toujours de surprendre le visiteur d'autres pays en leur montrant les grandes connaissances de l'Inde en matière de technologies de pointe, comme les communications, l'électronique, les sciences humaines, les analyses chimiques. Tout ceci fait part de ces prises indiennes, BPO, pour le client localisé partout dans le monde. Son entreprise développe depuis tout un chic électronique, d'un téléphone portable qui établit tout un réseau de solutions en ligne. C'est pour ceci que beaucoup de multinationales ont commencé à développer leurs technologies dans le marché indien, au lieu de localiser les activités de leurs sièges principaux, après avoir confirmé le potentiel de mentalité indienne. Yatika est fière de faire partie du mouvement actuel de l'industrie des BPO en Inde, mise ensemble par un ensemble de protagonistes ayant des avantages clairs. Mais demandez à Yatika ce qu'elle aime plus dans son travail. Elle vous dira, c'est le respect qu'elle a obtenu de ses collègues internationaux. À vrai dire, elle rêve de changer la vision du monde sur l'Inde. Oh,
Depuis le sommet d'une montagne, l'ancienne raconte une histoire aux enfants du village. Ils écoutent attentivement. Après tout, Parma Madi est connu pour ses histoires. Il a commencé par les rencontrer quelque chose sur Kutia, sa terre natale. Plusieurs siècles auparavant, à l'époque du chanteur d'équipe Marab Harat, la princesse Draupadi est devenue à Kourte pour s'exiler, séparée de sa famille et en subissant des harcèlements continus d'un prince immoral. Draupadi pleura sans arrêt, cria de douleur et courage. La terre sèche et stérile s'est séchée et a tremblé en réponse de cette situation. Et Kourte est devenu le désert qu'on connaît aujourd'hui. Depuis, les femmes de Kourte n'ont pas beaucoup progressé. La terre sèche est stérile et la pauvreté et l'illégalité entre sexes sont la bataille de tous les jours pour la vie. Alors, depuis quelques années, un groupe de femmes de Kourte ont décidé de mettre fin à cette situation. Vitiaben sait qu'elle n'est pas normale dans cette partie du monde. Les femmes qu'elle interviewait pour son histoire sur les travaux manuels traditionnels de Kourte lui rendent connue et respectée. Quand elle rentre dans son bureau, elle commence à écrire son histoire. Vitiaben est une journaliste et elle travaille pour une seule station de radio. Radio Oudjaz a commencé par un groupe de femmes déterminée de Kourte, qui voulait proclamer l'arme de sa situation aux communes. En 1999, ils ont commencé à produire une émission protagonisée par une cigogne appelée Kunchal, l'émission qui était diffusée dans toute la commune. Dans la langue du peuple, a touché finalement le cœur des femmes autochtones. Mais Kunchal, le reste des femmes, ne divertissait seulement ses clients. Il parlait aussi sur les sujets sérieux et encourager les femmes à combattre une société patriale destructive. Le vrai nom de Parma Dadi est Ramba, mais beaucoup de gens la connaissent comme ça. Aujourd'hui, elle tient une affaire de gourmandisme dans sa cabane. Mais il y a quelques années, elle était un personnage important, appelé Parma Dadi, de l'émission de radio de Kunchal. Son don de parole, son caractère maternel est devenu si connu. Elle avait commencé à s'apprécier du personnage de sa vie réelle. Elle savait d'avance l'influence qu'elle avait sur les communautés locales grâce à la diffusion de l'émission de radio. Les femmes ont commencé à planifier ses familles, à envoyer ses sœurs à l'école et même à mettre en place ses propres affaires. L'émission est devenue un exemple à suivre pour toutes les femmes qui l'écoutaient au village. Celui-ci restait collé à leur radio pour voir ce que Kunchal, Parma Dadi, et les autres faisaient dans les différentes occasions. Vindia Ben et les autres journalistes de la radio Oudjaz, tous originaires du village d'à côté, mettent en place à nos jours des émissions et chacun est responsable de ce que les gens héritent et leurs expériences. En ce qui concerne Parma Dadi, elle est la meilleure écrivaine, reconnue par beaucoup de gens. L'émission Kunchal, c'est fini, mais maintenant, tout le monde continue à apprécier et connaître Parma Dadi, notamment les enfants. Avec chaque histoire, son avenir et celui de son peuple amélioré, paix à paix. L'avenir de l'Inde est aussi tracé, une histoire, un pas et une foulée en même temps.